actuelle qualifie que ça c'est un régime dictatorial par rapport à une procédure judiciaire. Mais ça c'est un mensonge. Hein? Revenons à l'époque, quand le Semouyambwe a été enlevé la nuit par le régime, les mêmes personnes actuellement qui disent que non, c'est nous sommes un régime dictatorial. Muyambwa a été enlevé chez lui à la maison, je ne sais pas, à minuit. Et à 4 h du matin, Muyambwa était déjà à Kinshasa en prison de Makala. Ça, c'était quoi? Messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire tout simplement que la perquisition, c'est une procédure judiciaire. La procédure a été respectée. Lorsqu'il y a une perquisition dans un domicile de Messieurs X ou Y, c'est-à-dire la justice veut avoir la lumière sur un dossier caché quelque part. Mes chers amis, mettez cela à côté. Katumbi ne peut pas faire peur à Fatih Béton. Non. Katumbi tel qu'il est là. Actuellement, au Congo, il n'y a pas d'opposition qui peut faire peur le pouvoir actuel. Ça, c'est une procédure judiciaire, tout simplement. Mais c'est Idi Kalonda a un dossier. Au niveau de la justice militaire, parce que vous avez l'arme à main, et par rapport aux déclarations de Salomon Idi vis-à-vis du renseignement militaire, la justice avait jugé bien d'aller perquisitionner la maison de Moïse Katumbi. Là, il n'y a pas un problème d'acharnement. Là, il n'y a pas un problème parce que Katumbi, il est opposant ou il est candidat à la présidentielle. Non, 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 non. Ça, c'est une procédure judiciaire. Il n'a rien à faire avec la politique.